Ça va se jouer hein, essentiellement entre ces deux athlètes. On n'oubliera pas Océane Bouijou. Océane Bouijou, 8,75. Tu mets une pièce sur Mallory Juet. Ah bon? À côté. Eh bien, très bien. Léa est entraînée par Monsieur Curzas aussi. Oui. Tu nous as dit, détrompez-vous, maillot de la FCVO, mais oui, je la connais bien. Elle est sûre. Donc, couloir 4, couloir 3, on va citer toutes les 4, couloir 3, Océane Bouijou, couloir 4, Elena, Léa Lamba-Lamba, couloir 5, Mélanie Mallory Juet, couloir 6, Luna Gouraud. 3, 4, 5, 6, 3 places directes en finale et 2 autres places au temps. C'est bien parti couloir 4 avec Léa Lamba-Lamba et couloir 6 c'est Luna Gouraud qui va s'imposer un petit peu en retrait de l'autre demi-finale. Luna Gouraud 8,64, elle confirme, elle n'a pas encore été à la bagarre directement avec quelqu'un à côté d'elle qui la pousse, donc peut-être qu'elle peut descendre d'un dixième son chrono si elle arrive à gérer la lutte.